de ce Gen Vlog numéro... Attends, je fais de l'ombre. Tu me fais de l'ombre en fait, Flo, c'est ça? Regarde, je te cache. Bienvenue dans ce Gen Vlog numéro 24. J'ai pas pris mon téléphone. 24. Dans ma tête, moi, c'était 3. Je fais confiance à Lia. 24. Oui, 24. Aujourd'hui... Mais attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Mon téléphone. On va mal le dire. Mais tu l'as chargé? Non. Il est dans la classe. De toute façon, s'il est pas dans la classe... Il est pas ailleurs. Il y a Margot et tout ça dans la classe. Ça sent très heureux. Tout le monde va bien aujourd'hui, nous sommes en premier jour de workshop. Bon, vous êtes tous un contre-jour, mais c'est pas grave. Tac, il y a Denisa ici aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Notre workshop pour l'instant on fait pas grand chose, c'était un workshop photo. Bah c'est ça, non, le workshop. Oui. On doit installer, chercher une installation, un lieu pour faire la photo, etc. de notre projet upcycling. Sauf que on va prendre que les vêtements, sans nous dedans. Sans modèle. Bah, sans modèle quoi. Non, y a pas de même. Pourquoi pas, hein. Mais bon. Pour l'instant, bah, on verra. Là, on est en pause, on a tous pris un petit café et puis on se retrouvera sûrement à la pause déj, comme d'habitude. Il y a des messages. Me revoilà, j'ai changé de partenaire et j'ai pas filmé de ouf là pendant la journée. Quand on a fait le workshop, c'était le premier jour, du coup, bah, c'était pas du tout intéressant à filmer, c'était pas ouf. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, on est au Grand Lito pour faire les premiers achats de déco, etc, etc, pour ma fête d'anniversaire. J'espère que je vais trouver à peu près tout ce qu'il me faut. On vous amène avec nous. Alors, nous revoilà. On a trouvé pas mal de choses niveau déco, donc j'ai fait partie fiesta et bah en fait au final Emma j'aurais même pas besoin d'y aller, hein. Partie fiesta, on est allé à Stokomani aussi, on a trouvé des choses. Je suis toute noire parce que je suis à contre-jour, voilà. Non ça va pas, bon c'est pas grave. C'est énervant que... Et si je marche à marche arrière? Non. Du coup, on... Tu vas te faire mal, y'a une poule. Je t'en veux que t'as un poulet toi. Je pense mec... Bref, on a trouvé pas mal de choses. Niveau budget, relou. Mais j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Là, on va à B&M parce qu'il nous manque tout ce qui est assiettes, fait, tous les couverts, le set de table et tout. On a juste la nappe et le chemin de table, mais on n'a pas les assiettes ni les petits gobelets pour mettre les gâteaux. Fait, bref, voilà. Je vous montrerai tout ça à la maison, je pense, parce que je filme pas trop dans les magasins. Et puis voilà. Heureux, on se retrouve chez moi. Il est actuellement 23h. Je viens à peine de finir de monter la vidéo d'hier. On est rentré super tard et je suis fatiguée comme tous les jours depuis à peu près une semaine et demie. C'est génial. Sur ce, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors je me tâte, est-ce que je vous montre tout? De toute manière, même si je vous montre tout, en vrai, ils peuvent pas trop. Enfin, vous pouvez pas trop vous imaginer la déco même si je leur montre tout, non? Non. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé. Alors chez Party Fiesta, j'ai dû vendre un de mes reins pour pouvoir payer tout ce que j'ai trouvé. À part ça, j'ai trouvé pas mal de choses. Bon, le dentifrice et une laque, pas forcément pour la fête d'anniversaire. Pour commencer, nous avons trouvé pour la table. Parce que, il va y avoir... Ah oui, finalement, changement de plan. J'ai vu avec les autres, personne veut de ma raclette. Ce n'est pas grave, on va faire un apéro dînatoire. Et ce qu'on va faire, c'est que apparemment tout le monde veut amener un petit truc à manger. Comme ça, je n'aurai pas à tout faire seule. Moi, ça me dérange un peu dans le sens où c'est moi qui invite et du coup c'est censé être moi qui suis censé faire tout ça. Mais apparemment tout le monde me crie dessus et me dit qu'il faut que je délègue. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Un peu des tâches à faire. Mais mon côté self-control et meuf qui adore tout faire, tout contrôler, tout faire elle-même, ne veut pas. Mais bref, apparemment on part sur un dîner, pas du tout, un apéro dînatoire. Du coup on s'est dit que ce serait mieux parce que c'est vrai que vu que c'est l'anniversaire, tout le monde peut manger quand il veut, il y a toujours des trucs à grignoter, etc. Donc voilà, c'est comme on avait fait pour Halloween et ça avait très bien marché. Surtout que là, à Halloween, on était sortis après au roof. Là on va passer toute la soirée à la maison, du coup c'est vrai que bah, la raclette, une fois qu'il n'y a plus, bah, il n'y a plus quoi. À moins que quelqu'un veuille s'asseoir par terre et manger une pomme de terre seul. Mais c'est vrai que l'apéro dînatoire serait mieux. On s'est décidé aussi pour le gâteau, mais ça je vous spoil pas. Vous verrez à mon vlog d'anniversaire. Pour les tables de l'apéro, on va utiliser la table basse, celle qui se lève comme ça là, celle sur laquelle vous êtes posé. Et mon bureau qu'on va débarrasser pour poser tout l'apéro. Donc on a trouvé, trop rigolo, c'est une jupe de table. Genre les tables ont une jupe rose comme ça. Et en gros, ça ressemble à ça. Voilà. Ça, on le mettra sur la table basse. J'espère que ça va matcher. On n'a même pas mesuré quoi que ce soit. On verra ça vendredi. Et si ça ne va pas, on fera autrement. Pour la table, j'ai aussi pris chemin de table intissé.
Alors je connais qu'on appelle quelque chose tissé, mais un tissé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Rose comme ça, celui-là il est plus fuchsia, mais avec Anna on s'est dit que ça pourrait être chouette de faire un petit contraste entre les deux. Je me suis dit le dress code et le thème c'est le rose, mais il n'y a pas un rose en particulier quoi. Ensuite pour le coin photo, j'ai pris deux rideaux rose gold comme ça. C'est les rideaux avec les franges. On avait pris ça pour Halloween aussi. On l'avait pris en quelle couleur? Halloween rouge. Ouais. Et c'était plutôt chouette. Là j'en ai pris deux histoire que, vu que les murs sont hauts ici, il faut quand même qu'on ait un coin photo assez fourni. Et j'ai pris aussi ça. Alors Askip, Kenal trouvé ça génial. C'est une banderole comme ça, rose et blanche, et en fait on peut écrire, il y a des autocollants avec les lettres et on peut écrire ce qu'on veut dessus. 24 fanions et 4 feuilles pour autocollant ruban. Ça c'est pour le coin photo. Ensuite qu'est-ce que j'ai dans mon petit sac? On a les ballons. Alors catastrophe, je voulais mon fucking ballon Peppa Pig. Sauf que le problème c'est qu'il faut, c'est eux qui le gonflent à l'hélium. Sauf que ma fête d'anniversaire, ok c'est dans pas longtemps, mais dans trop longtemps pour que Peppa tienne jusque là. Donc j'allais pas me trimballer avec un Peppa Pig là qui pend à mon plafond de voiture. Donc j'ai fait une croix dessus. Avec Anna on s'est dit bah pas grave, on va acheter une bouteille d'hélium comme ça. Je voulais plein de ballons moi qui se collent à mon plafond. Mais 30 balles la petite bouteille d'hélium. Du coup pour l'instant j'ai fait une croix dessus. Si jamais ça me pète dans la semaine j'irai en acheter une. Mais franchement 30 balles sans compter les ballons hélium. Ça plus les ballons J'ai pris des ballons classiques. Donc j'ai pris ceux-là, la couleur le rose c'était les derniers. Elle est trop belle la couleur. Voilà. Et j'ai pris des ballons blancs parce que je veux des ballons motif vache. Motif vache, sauf que ça n'existe pas, donc je vais les faire, c'est pas grave. J'ai pris des ballons blancs et avec un marqueur noir, je dessinerai les taches. Quand est-ce que je vais faire ça? Je ne sais pas. Parce que j'ai une vie à côté. Mais là, je ne vis que pour ma fête d'anniversaire. Ensuite, j'ai pris des petites bougies pour mettre sur le gâteau. Voilà, elles sont trop mignonnes. Super. Ensuite, la partie fiesta toujours, c'est le dernier truc. J'ai pris un ruban rose pour ma bouteille de Ricard. C'est le seul truc que j'ai pour l'instant pour ma bouteille de Ricard. Donc à part un petit ruban, pour l'instant elle est vide. J'ai même pas la bouteille encore, mais bon. Donc voilà, pour l'instant j'ai acheté ça. C'est déjà pas mal, j'ai partie fiesta. Ah my fucking god, j'ai oublié l'élément phare de partie fiesta et de ma fête d'anniversaire. J'en ai rêvé pendant des nuits, des jours, des années, et j'oublie de vous la montrer quoi. Mais j'aime pas tout vous montrer, j'ai l'impression de tout vous spoiler. Vous allez quand même regarder mon vlog d'anniversaire hein. Même si je vous ai montré la déco. Et vous allez regarder. Imagine il le regarde pas. Hein? Tu te seras régalé, c'est le principal. Oui non mais continue de regarder mes vidéos parce qu'à ce rythme là c'est pas encore que je serai monétisée hein. La YouTube money, les sacs de genre, les saddles et tout, c'est encore loin hein. J'ai un poil de Maurice dans l'œil quoi. Regardez ce que j'ai trouvé. Une piñata. Elle est pas trop mignonne. Alors oui, je vous l'accorde. Les licornes c'est un peu has-been. J'ai l'impression d'être coincée en 2015. Sauf que ça clairement c'était ma piñata de rêve. Je pèse mes mots. C'est ma piñata de rêve. Je l'ai toujours voulu, elle était là. Elle est toute rose en plus. Regardez là, comme elle est trop mignonne. Regardez. Et pour l'instant vous voulez la... quelque chose qui va absolument pas vous étonner. J'ai rien à foutre dedans pour l'instant. Passons. Non mais Maurice, non mais le Maurice quoi, regardez-moi le. Ah! Ensuite, alors il y a des trucs chez B&M et des trucs chez Stokomani. Qui est où et qui est quoi, peu importe. Ah ben ça c'est Stokomani. Oui. Mais c'est tout, et le reste c'est BM parce qu'à Stokomani on a acheté que des trucs qui n'ont aucun rapport avec la fête d'anniversaire. Vous allez vous dire, mais où sont les ballons avec le 2, le 3 et le E comme je l'ai tant promis dans ma vidéo d'hier? Ben il y a le 3. J'ai ni le 2 ni le E parce que évidemment il est rose. Mon thème c'est rose, je vais pas foutre un ballon doré au bout d'un moment. Sauf que dans un magasin il y avait un 2, il n'y avait pas le 3. Et là dans ce magasin il y avait le 3 et pas le 2. J'ai pas pris le 2 parce que j'étais radine. J'ai que le 3, dans la semaine je vais oublier, je vais me retrouver. J'ai 3 ans là pour l'instant. Ça ne va pas et ça doit faire partie de mon setup photo. Donc je sais pas comment je vais faire mais bref, c'est pas grave. Et pour finir chez P&M j'ai trouvé... Alors il y a des serviettes roses aussi. Pas très... Bon bref c'est des serviettes roses quoi. Et là ce qu'il me reste à vous montrer c'est juste les petites pailles, je les ai prises comme ça. Bon vous allez rien voir avec le reflet de l'écran, peu importe. C'est des pailles rose gold, je crois, métallisées pardon. Et j'ai pris des petits gobelets roses, voilà, assortis aux pailles. Et je crois que je vous ai à peu près tout montré. Voilà, de toute manière vous verrez la suite. Non mais bref, je suis fatiguée. Je vais vous laisser là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Wow. Même Maurice, il a été choqué. Eh Momo.
Maurice, me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Parce que quand il me regarde comme ça, ça veut dire qu'il va me sauter dessus. Moi, je vais aller me démaquiller, me laver le visage, me laver les dents. Et peut-être aller dormir, non? Ce serait pas mal. Dormir. Dormir. Tard l'époque. Le sommeil. Sur ce... qu'est-ce que je veux dire? Sur ce, prenez bien soin de vous. Jusqu'à demain. J'espère que vous avez passé une bonne journée, vous. Moi, ça va, nickel, comme d'habitude. À l'école, puis après pour aller faire la déco, etc. Ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, en ce moment, j'ai des journées très fatigantes. Mais je me plains pas parce que j'adore. Je suis très contente des Jan Vlogs, de tout ce qui se passe en ce moment. Encore le trompe avec le même pull. Mais ils vont vraiment croire que t'as qu'un pull. C'est bon, plus ça va. Eh oui, mais toi t'es toujours au même pyjama. Non, ils m'ont vu plein de fois avec d'autres pyjamas. Ah ouais, bah, moi c'est mon pyjama. Bon, je sais plus ce que je voulais dire là. Oui, bref, je suis contente, voilà, je suis fatiguée, mais contente, d'accord. Je me plains, mais je suis contente. Et puis voilà. Quoi? Tu te plains, mais tu es... contente. J'ai oublié de dire que je faisais une vidéo par jour parce que c'est mon mois d'anniversaire. Patati, patata, tout le monde est au courant puisque je le dis tous les jours. T'imaginais que je dis pareil que tous les soirs, qu'on ait bien soin de vous. A plus dans le bus, c'est-à-dire à demain. Parce que quoi, Maurice? Les Jan Vlogs, c'est tous les jours. Gros bisous et à demain.